chef de l'État, le général Bosco-Ker Oligingema, tenait à rassurer la presse privée au sujet de la subvention qu'il leur est allouée chaque année. Cette subvention, l'année dernière, au moment du coup de libération, était à 127 millions. Là, il a décidé lui-même, parce qu'il veut que la presse privée joue son rôle dans le paysage médiatique, parce que quand on est en démocratie, la presse privée a une place importante dans le jeu démocratique. On ne peut pas avoir que des médias publics. Et donc, pour aider cette presse privée à se développer, il y a la subvention. Il a décidé lui-même d'augmenter la subvention à 500 millions. Maintenant, cette subvention est en cours de traitement. Habituellement, elle était payée au mois de novembre. Donc, ne l'ayant pas vu venir, les médias privés, la presse privée s'est impatientée et le président de la République a tenu à rappeler qu'il tiendra parole.